Bonjour à tous, Johnny Fraché, combattant professionnel MMA, coach de MMA au sein de la Hatch Academy Fitness Park Vitry, aujourd'hui en compagnie de Naofel. Aujourd'hui, nous allons voir 4 contre-attaques du jab. Je suis face à mon adversaire, donc en MMA, l'épaule toujours un peu plus devant. On est dans la longue ou dans la moyenne distance, ici. Dès que je vois le point de mon adversaire, ce qui va m'indiquer la direction, c'est son point. L'orientation du point, la hauteur de son coude, ce qui va m'indiquer à quelle frappe va arriver et la hauteur de la frappe. Je contre en envoyant mon jab au menton, dans le temps. Je vais juste décaler ma tête suffisamment pour ne pas prendre le jab et pas perdre de temps. La deuxième possibilité, on va esquiver un intérieur et contrer avec un overhand. C'est un crochet assez large qui passe par-dessus le jab. En fonction de la distance, je vais pouvoir faire un pas ou pas. Troisième contre-attaque, je vois que mon adversaire, quand il frappe, il met beaucoup de poids sur la jambe avant. Je contre avec mon low kick. Ma jambe doit arriver bien tendue, juste au-dessus du genou. Pareil, là, plusieurs écoles, vous pouvez balancer le bras ou garder la main en haut en fonction de votre stratégie. Cette attaque a l'avantage de me mettre hors d'angle. Hors de contre-attaque. Là, il peut faire un back fist ou un coup de pied retourné, mais en général, je vais être prêt pour défendre. Et enfin, la troisième contre-attaque, j'identifie la frappe, c'est-à-dire c'est un jab. Je vais rentrer dans la jambe et je vais chercher le single leg extérieur. Pour contrer chaque attaque, il y a 3 temps. Le début, le milieu et donc la fin. Plus vous contrez tôt, moins vous avez de risque de contre-attaque et de vous faire contrer votre défense, votre jab, votre crochet large, votre low kick ou votre single leg.